Foot est fait, bonsoir. Jocelyn Sapoty est bien connu, c'est le maire de La Mantin, c'est aussi le président de la communauté d'agglomération Nord-Bastère. C'est aussi un musicien qui va sortir un album de musique, Harmonie et Cadence, actuellement en impression. Il se fait accompagner dans cette aventure musicale par un très bon musicien, Jean-Michel Lesdel, par d'autres musiciens professionnels tout aussi compétents. La musique est une passion pour M. Sapoty, en plus de la politique, bien sûr. Jocelyne, le Zouk entre à l'Université des Antilles sous la forme d'un colloque en Martinique en présence de Pierre-Édouard Décimus et de Jocelyne Béroard. Ceux qui ont porté haut les couleurs de notre musique méritaient cet hommage, d'autant qu'il y a peu d'ouvrages de référence sur le Zouk, et c'est bien dommage. Éric, faut-il y voir l'approche des municipales, mais Éric Jalton, à tout le moins son cabinet, ont organisé ce dimanche, nous voulait songer, nous voulait prier Dieu, tout un programme, grande célébration commune avec les catholiques, les églises adventistes, les églises évangéliques, un grand moment de partage, de prière, de chant, par des chorales, de gospel aussi. Dominique Virasamy, président du SNEG, association Sauver notre entreprise guadeloupéenne, se plaint d'avoir eu aucune réponse de la présidente Josette Borel l'Incertain quand il a demandé à participer aux auditions du Congrès des élus sur le statut de la Guadeloupe. Nous avons des propositions à faire pour inverser la courbe du chômage, mais les politiques refusent de nous rencontrer. Il est encore temps de se raviser, non ? Jean-Claude, c'est plus ou moins seul que le président de l'association des maires de Guadeloupe, le Désiradien Jean-Claude Pioche, a entamé une lutte de tous les jours contre les sargasses qui envahissent le port de Beauséjour. La vedette qui relie l'île au continent menace de ne plus venir de peur de perdre ses moteurs. Mais que font les autorités pour les 1700 habitants de la Désirade ? Pas grand-chose, peut-être. Bonsoir et à demain.